enfin ce soir, il est 22h40, presque 23h, et on va attaquer Greedfall. Donc c'est un jeu que j'avais pris à l'époque, il était sorti en 2018, il me semble, ou début 2019. Il avait l'air génial, je l'ai pris, il est développé par ceux qui ont fait Bound by Flame, et j'avais sauté dessus, il est génial, il m'avait coûté 30€ sur Instant Gaming, mais je n'avais pas pu y jouer, parce que mon ancien ordi ne pouvait pas le supporter, et j'y ai repensé, du coup je l'ai réinstallé sur mon nouvel ordinateur, et ben c'est parti, hein, c'est parti, sans plus attendre. Donc sélectionnez le mode difficulté, donc on a histoire normale, difficile et extrême. En histoire, dans ce mode, les compagnons sont plus forts, etc., etc., on s'en fout. Alors, normal, ce mode offre un challenge équilibré, vous allez devoir optimiser compétences et équipements, recourir à l'artisanat et préparer bataille pour venir à bout du jeu. C'est le mode qui m'intéresse parce que c'est pour parce que j'aime bien papillonner, donc quand c'est trop difficile, on peut pas papillonner. Donc, normal. Sélectionné. Est-ce qu'on a une cinématique? Parce qu'il n'y a pas eu de cinématique jusqu'à maintenant. Il n'y a rien eu du tout. Oh yes. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Donc dans ce jeu, en fait, je vais faire un petit synopsis vite fait. Le Covid a pris une forme énorme, hein, pour rigoler bien sûr, il s'agit de la peste. On vit à l'époque de la peste. L'histoire, c'est très inspiré de l'histoire, des faits réels, on commence à Paris d'ailleurs. Mais il y a des légères variantes, et nous, cet homme, enfin dans le synopsis, on va devoir partir, et dans même le trailer du jeu, on va devoir partir explorer une île, je sais pas laquelle, à la recherche d'un possible remède à cette maladie, qui est une forme... exagéré de la peste. Donc on peut choisir homme ou femme. On va prendre un homme évidemment. Tester les presets. Oh le petit smile qu'il fait. Non attends, on va rester comme ça. Visage. Il n'y a pas beaucoup de... Celui-là j'aime bien. Pas beaucoup de choix évidemment, mais quand même. Les cheveux qui dépassent la texture des vêtements, c'est pas grave. Chauve. Avec la petite queue de cheval. Je vais prendre ça. C'est marrant. Pilosité faciale. Oh les pattes! Oh la petite moustache de D'Artagnan, c'est mortel. Avec les pattes. Ah oh, c'est excellent. Petite moustache et pattes, c'est démentiel. Petit bouc et tout. Sourcils. Avec petit éclats comme ça. Ah là ils sont bien marqués, là, j'aime bien. Couleur de la peau. Ouais comme ça c'était bien. Couleur des cheveux. Oula. Oh on peut faire le jaune pisse magnifique. Là c'est très clair par contre. Blanc. Oh c'est dégueulasse. Oh, poivre et sel. Voilà, c'est plus poivre et sel, c'est stylé. Couleur des yeux. Je vais faire un petit jaune. Parfait. Étape suivante. De Sardé, on s'appelle. Alors, technique. Attends, quoi? Archétype de départ. C'est les compétences. Ah, c'est dans quoi on va évoluer. Dans trois branches, soit guerrier, soit technique, soit magie. Donc c'est un peu le même style que les Elder Scrolls. Hein, donc vigueur, magie, combat, guerrier, technique, magie, c'est à peu près pareil.
guerrier. Ce profil est axé sur le combat au corps à corps. Technique, ce profil est axé sur le contrôle du champ de bataille. Magie, ce profil est axé sur la magie offensive à distance. On pourrait prendre ça, ça pourrait être marrant. Voilà, compétences de départ, anneau de mage divine, stase et arme d'impact à une main. Attributs recommandés, puissance et volonté, talent recommandé, science et intuition. Je vais prendre magie parce que dans beaucoup trop de jeux, je prends guerrier, technique, enfin j'alterne entre les deux, tout ça. Et très très peu, je prends de magie, donc je vais essayer de découvrir la magie, quoi. Donc anneau de magie divine, enfin bref. Attributs recommandés, ce sera la puissance et la volonté. Et talent recommandé, science et intuition. Ok. Donc là, on est dans... Attends. Précision, volonté. Constitution, précision. Donc volonté. Et puissance. Ah merde. Puissance, volonté. C'est puissance ou volonté qu'on choisit. Attends. Moi, je choisis volonté, puis voilà. Augmente le maximum de points de magie et la durée des sorts. Requis pour porter les meilleures amulettes et colliers. Oh, ça peut être bien. Ça peut être bien. Donc, la volonté, c'est fait. Étape suivante. Talent. Charisme. Attends, c'était quoi? Talent recommandé, science ou intuition? Donc, intuition, c'est quoi? C'est les sites de récolte sont plus visibles, augmentent légèrement la quantité d'ingrédients et d'objets récupérés lors des récoltes ou dans les butins. Ah, ça peut être bien. Et la science permet de fabriquer des potions simples, permet de détruire des murs plus solides à l'aide de fioles explosives. Ça peut être intéressant dans le sens où les potions vont être importantes, je pense, surtout pour la magie. Donc je vais prendre ça, évidemment. Commencer la partie. Valider la création. Oui. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here. We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Monsieur de Courcillon. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. Okay. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. Monsieur de Courtonne, il n'est pas content. Thank you, cousin, for getting me out of that. Oh, il y tenait, c'est pas bien. Ah. Esquive. On peut parler à tous les gens, on peut les déranger ou pas? Oh, je peux lancer des sorts déjà. Ça dépend de la magie, évidemment. Je sais pas encore ça, à quoi ça correspond. Et là, il y a quelqu'un qui lave le mur. Femme. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Oh, elle s'excuse, elle pense ne pas être de bonne compagnie. Greetings, Your Excellency. Elle tape une porte. Est-ce qu'elle va disparaître ou est-ce qu'on va vraiment lui ouvrir? Ah non, bah y avait personne, elle s'est fait prendre un vent par la porte, c'est dingue. Je sais pas à qui elle a tapé, mais on lui a foutu un de ses vents, c'est fou. Salut. Où dois-je aller? Là-bas peut-être? Ah. Hey!
Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Ah, d'accord, il le défie. Fight with honor! On va apprendre à combattre. Attaquer trois fois. 1, 2, 3. Oh yes. Défendez-vous contre trois attaques. Clic droit. Parade. Nous on a parade magique. Oh yes. Parade parfaite. Parade parfaite. J'ai été entraîné par Valheim. Mais ici. Ouvrez à cœur de vos talents. Oh merde, il m'a eu. Se soigner. Vous avez perdu des points de vie pour assigner une potion à un raccourci. Utilisez tab espace pour ouvrir la pause tactique. Sérieux? Oh, c'est stylé. La pause tactique, tab ou espace, met le jeu en pause et permet de choisir sa prochaine action tranquillement. Pardon, mon dieu. Vous y trouverez vos sorts, compétences et potions à utiliser directement ou à assigner à un raccourci. En utilisant pendant un combat, vous pouvez aussi en apprendre plus sur les ennemis. Ok. Potion de soin. Assigné à 1. Ok. Retour. Ah, je suis obligé de me soigner pour le tuto. Ok. Oh, il m'a eu. Yes. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. Are you already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Ah. Apprendre à maîtriser le combat, ça pourrait être utile. I would be up for that. A little last minute training couldn't hurt. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go, fight with honor. Combattre avec honneur. Alors, vous pouvez utiliser la magie de l'ombre et la lumière durant votre aventure. Le sort de base, une icône chelou, vous permet de figer temporairement un ennemi. Les sorts consomment de la magie symbolisée par la jauge bleue en haut à gauche. Ouais, finalement. Oh, pardon. Attends, mais du coup. Sort, stase. Assigné. 2. Oh, attends. Potion. Je l'assigne à 5, du coup. Sort assigné à 1. Voilà. Bon, c'est mage gauche. Choc tombe, c'est contrôle gauche. Ok. Attends. Ça régène. Ça régène, viens te battre. Viens. Ah ah! Il a été mis à terre pendant un moment. Oh, c'est intéressant. Pas assez de puissance magique. Putain, on peut attaquer en cercle comme ça? Le problème c'est que sans magie t'attaques pas, hein, avec ce magicien.
Croyez-moi. Cible 2 sur 2, c'est bon, c'est tout ce qu'on devait faire. Excellent. Alors, le niveau d'armure physique est représenté par des boucliers sur la jauge de vie. L'armure absorbe une partie des dégâts physiques. Pour briser l'armure, vous pouvez utiliser une arme d'impact ou certains pièges. Les attaques magiques traverseront l'armure. Y'a pas de problème. La magie ignore l'armure physique. C'est pas mal ça. Bah, par contre, notre vie ne l'ignore pas. Parfait. La furie est un état qui vous permet de lancer une attaque spéciale qui inflige un bonus de dégâts et déstabilise l'adversaire. Une jauge graduée qui augmente lorsque vous attaquez un ennemi. Ok. Pas de problème. On pourra gagner avec X. Ok, parfait. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Se réjouir du fait qu'il se soigne au voyage. Se plaindre d'être accompagné d'un garde du corps. Se plaindre d'être accompagné. I have to admit, I thought my days as a child, complete with bodyguard, were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Ok, parfait. Je rejoins Kurt devant le palais. Y'a pas de problème, on va rejoindre Kurt devant le palais. Voilà qui est mieux. Ah putain, un con. Le jeu c'était pas lancé en 1080p quoi. Désolé. Alors. Et nous voici donc Gridfall. Donc là c'est le tuto est passé, ça y est, on peut avancer. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Oh, c'est un mage qui a le masque de la peste. Ce stylé. Un herboriste alchimiste. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Oh, c'est sa mère. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know.
But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It's time for you to take leave. Ça serait ouf. Here. Take this with you. What is it? C'est une capote. Prends-la, mon fils. A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. Ah, bizarre. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Elle est vraiment dans un sale état, hein? Putain. Le Covid, ça va loin. Hein? Faut que j'arrête la blague sur le Covid. C'est une variante de la peste. Ok, allez vous faire vos adieux à votre mère, c'est fait. Et maintenant, nous voilà seuls dans les rues de Paris. Vous pouvez courir plus rapidement en utilisant le sprint ou aller plus lentement en marchant. Sprinter. Ouais. Rock, c'est beau, hein. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais, ça rend bien. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. Une sacrée aventure. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Organisation de l'équipe, compagnon d'équipe. Oh. Kurt maîtrise les techniques de corps à corps et peut en revêtir de lourdes armures. D'accord. Constitution niveau 9, force 3, agilité 6, compétences. Toutes les armes de corps à corps, action d'engagement, potion d'équilibre. Coup spécial selon l'arme. Faction garde du denier. Niveau de relation méfiant. Ah. Ok. Ajoute à l'équipe. Valider l'équipe et partir. Ok. Bon, on a un membre d'équipage, enfin d'équipe. Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? Ouais, bon, on s'en fout de la discussion. But it's certainly worthy of inspection. Excellent, ce Griffol. Excellent. Enfin, il a l'air, en tout cas. Ça m'a l'air bien travaillé tout ça. Un Paris en pleine peste. Noir. J'ai quand même une arme de poing. Ah super. Salut. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Ouais, ouais, c'est ça. Je suis un proche du prince, ouais. Tout à fait. Oh, la rue est quand même bien faite. Oula. La place des princes, elle est en feu. Mais c'est pas sérieux tout ça, il brûle des corps morts de la peste noire. C'est un bûcher. Putain. C'est sévère, hein. La tristesse. J'explore Paris, ouais, j'ai pas pion, j'avais prévu. Come on, come all. Citizens of Serene, come to me.
You won't regret this miraculous opportunity. Putain, il y a des animateurs même pendant la peste. In these dark hours, but what you're about to discover could save your life. Le mec, il a des remèdes contre le Covid dans une bouteille. Je vais voir ça. Come closer now, good people. Don't be afraid. Come celebrate the miracle of science. Ah, on peut pas lui parler. You won't believe your eyes. Oh, c'est cool. This discovery will give you faith in existence. Bah, eux, c'est les prochains à passer au bûcher. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Salut. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Acheter. On va voir un peu ce qui se vend et un peu les prix. Ah, je ne sais pas combien j'ai d'or sur moi, donc. En vente. Anneau de novice, marteau à point usé. Attends. Licorne. Oh, c'est excellent. Attends. Acheter. Pièce d'or insuffisante. Ah. Mais j'en ai combien? Je ne sais pas combien j'en ai. Thank you for your visit. See you soon. Ça ne me dit pas. Développement de personnage. Putain, ça a l'air super complet. Ouais. Ça a l'air incroyable. Ouais, il va y avoir un truc de fou à faire. De sarder. Bon, honnêtement, je ne sais pas combien d'or j'ai. Ah, c'est ici, j'en ai zéro. Ok, ceci explique cela. Oh, ils sont gravement malades, on va pas rester là. Oh, il y a quelque chose à fouiller là. Minerai de fer brut et de l'aubépine. C'est classe. Eh, il y a des choses à trouver dans la vie si on l'exploite. Sympa. Vous avez découvert les anciens entrepôts. Pourquoi il s'est arrêté lui? Il est en train d'examiner les morts sûrement. Ouais, c'est ça. Oh, elle est dans cette sale étincelle là. Ah ouais, la peste elle est sévère. Wouah, cool. C'est dingue. If you have any idea who I am, open up, imbeciles! I have a ship to catch. J'ai un navire à prendre. Do you hear that? Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. C'est bizarre. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Après on peut leur donner des sous et quand ils sont en train de prendre, ça veut dire qu'ils ont déposé les armes. Et là tu les butes. Et tu récupères bien sûr l'or que tu leur donnes. Attends, on va trouver le chemin. Déjà là il y a quelque chose à prendre. C'est ici que je vais passer. Attends. La fenêtre est là. Oh, prendre. Excellent. Il peut pas sauter le personnage? J'imagine que oui. Attends, personne de contrôle. Commande du jeu. Attaque de secondaire. Alt, c'est très bien. Fury. W.
sprint A. Ça arrête de me déranger. Changer de cible, on s'en fiche. La poste d'acquis que soit à table, c'est très très bien. Y a pas sauté. Et en gagné, je vais mettre à R parce que je suis habitué à Skyrim et tout ça. Ça a toujours été R pour moi, donc R. Parfait. Ok, bon. C'est étrange qu'on puisse pas sauter dans ce jeu. Ça va être un peu pareil que Dragon Age Inquisition, j'ai l'impression. Sur certains points. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à celui-là, mais. Ah. Détruire. It's not possible just now. Science. It's not possible just now. Ah, merde. It's blocked. D'accord, bon, il va falloir revenir. It's not possible just now. Attends. On peut détruire du décor ou pas? Non. Il faut science niveau 1. Attends. Capacité. Planisphère. Oh, c'est classe! Ça s'appelait Sérène à l'époque? C'est stylé. L'île de Tirfradi. De Tirfradi. Donc c'est pas du tout Paris, hein. J'ai dit Paris, mais c'est un peu inspiré, très inspiré du Paris, étant donné qu'il y a la place des Princes et autres quartiers, tout ça qui sont là. Mais c'est inclus dans un monde imaginaire, donc ils ont fait autre chose. Et la carte, elle est grande quand même, hein. Ça va. Hein. Il y a là d'avoir des choses. À faire quoi? Développement de personnage, attributs. Donc il fallait mettre dans science, apparemment. Eh mais attends, science niveau 1. Attends. C'est quoi le truc qu'il faut? Préparation chimique de dégâts élémentaires. Ah, il faut une préparation chimique. Comment on fabrique ça? Il y a un menu de craft. Marchandises, objets de quête. Potion de puissance, potion de soin. Où est le menu de craft? Peut-être que je l'ai pas encore. Ou alors peut-être qu'il faut trouver un établi ou quelque chose de genre. Oh, c'est très naturel de monter à l'échelle, ce jeu. Très très bien. Bon. On pourra pas sauver Constantin pour l'instant. À moins qu'il y ait un autre passage.